Bon, je connais à peu près ma morphologie, mais je sais toujours pas ce qui me va. En fait, je suis perdue. Si vous aussi vous êtes perdu comme ça, je vous invite tout de suite à regarder cette vidéo. Bonjour à toutes, je suis Amanda Sorin, conseillère en images et rédactrice du blog amourmodebeauté.com. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous aider à bien vous habiller selon votre morphologie A, H, V ou X. Et si vous n'avez pas visionné ma précédente vidéo, je vous invite à le faire en cliquant juste sur le lien qui va apparaître sur cette vidéo. Comme ça, ça vous permettra de mieux comprendre la suite. Et je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de la publication de mes prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples de vêtements qui mettent très bien en valeur votre silhouette A, H, V ou X avec des exemples en images. Comme ça, ça vous permettra de mieux visualiser mes propos. Alors on démarre tout de suite avec la morphologie en A. Une femme A a les épaules plus étroites que les hanches. Elle a aussi les hanches légèrement arrondies ou très arrondies. Elle a une taille marquée et sa silhouette peut être mince à très pulpeuse. Pour mettre en valeur les morphologies en A, il faut plutôt privilégier les vêtements qui vont étoffer votre buste et ne pas trop accentuer la forme de vos jolies hanches, comme par exemple les vêtements structurés sur le haut de votre silhouette associés à un bas fluide. Exemple avec cette tenue qui mettra parfaitement en valeur les silhouettes en A. On a en haut un perfecto structuré avec un grand col qui apporte du volume sur le haut de votre silhouette et en bas une jupe plissée taille haute fluide qui va marquer la taille et qui va se déposer délicatement sur les hanches sans trop les accentuer. Les vêtements épaulés et cintrés sont également parfaits pour donner une impression d'épaule plus large et pour souligner votre taille marquée. Exemple, avec cette veste ceinturée qui mettra très bien en valeur les morphologies en A. Néanmoins, si vous êtes ronde, je vous conseille de porter vos vestes ouvertes et de nouer la ceinture dans le dos pour mettre l'accent sur votre taille marquée sans épaissir votre silhouette. Les tapes colorées sur le haut de votre silhouette associées à des pièces sombres sur le bas sont aussi un bon moyen d'accentuer votre carrure. Exemple, ce type de tenue est parfaite pour une silhouette en A. Le top très coloré met l'accent sur votre buste et en bas on a une petite jupe patineuse noire taille haute qui va mettre en valeur votre taille marquée sans trop accentuer la forme de vos hanches. Petit conseil si vous êtes ronde, faites attention à la matière de la jupe patineuse. Évitez tout ce qui est trop rigide et optez plutôt pour des matières fluides et vaporeuses. Les jeans taille haute ou taille normale, droit ou qui s'évasent sur le bas. Exemple, ce jean bootcut taille normale, légèrement évasé sur le bas, mettra parfaitement en valeur vos hanches sans en faire trop si vous avez une morphologie en A. Les pantalons fluides, taille haute, qui s'évasent sur le bas de votre corps et qui ne moulent pas. Exemple, ce genre de pantalon fluide est idéal pour mettre en valeur vos jambes et votre taille si vous êtes A. Ce pantalon se dépose délicatement sur vos hanches, sans les mouler, et cerise sur le gâteau, les rayures verticales allongent votre silhouette. Petit conseil si vous êtes petite, optez plutôt pour un pantalon dans ce style, mais 7/8 pour laisser apparaître vos chevilles et allonger votre silhouette. Mais évidemment, si vous adorez les pantalons fluides longs, faites-vous plaisir. En plus, les tailles hautes allongent déjà les jambes puisqu'ils se portent haut. Passons maintenant à la morphologie en H. Une femme H a les épaules, la taille et les hanches dans le même alignement. Sa taille n'est pas marquée et sa silhouette peut être mince à très pulpeuse. Pour mettre en valeur votre morphologie en H, il faut plutôt privilégier les vêtements qui vont mettre l'accent sur vos épaules et étoffer un peu vos hanches. En revanche, évitez de marquer votre taille avec une ceinture ou de porter des vêtements trop cintrés si vous êtes H, sauf si vous êtes fine. Car les ceintures ou les vêtements trop cintrés vont épaissir votre silhouette et accentuer l'absence de taille marquée. Voici quelques exemples de vêtements qui mettent en valeur les silhouettes en H. Les vêtements avec un décolleté bateau qui dégage les épaules. Exemple, ce top décolleté bateau très chic qui mettra en valeur votre jolie carrure. Les robes droites qui ne moulent pas pour valoriser votre silhouette plutôt droite, elles vous vont à merveille. Exemple, cette robe droite est idéale pour mettre en valeur votre morphologie en H et vos belles jambes. Néanmoins, si vous êtes moins à l'aise avec vos jambes, complétez la tenue avec une paire de collants opaques noirs ou optez pour une robe un peu plus longue, longueur genou ou sous le genou si vous êtes plutôt grande. Les jupes droites ou évasées mettront également les atouts de votre silhouette en avant. Optez de préférence pour une jupe taille normale si vous avez des rondeurs autour du ventre et pour une jupe taille haute ou taille normale si vous avez une taille fine. Exemple, cette jupe droite en cuir taille normale vous ira parfaitement si vous avez une silhouette en H, que vous soyez mince ou ronde.
Les vestes légèrement cintrées et légèrement épaulées portées ouvertes pour mettre en valeur vos épaules et donner une illusion de taille marquée. Exemple, cette veste légèrement cintrée est idéale pour créer une illusion de taille marquée et mettre en valeur vos épaules. Néanmoins, elle convient mieux si vous êtes plutôt grande car elle est longue. Si vous êtes petite, optez pour le même genre de modèle, version plus courte, longueur bassin à peu près. Les pantalons en jean droits ou évasés mettront en valeur vos belles jambes. Optez plutôt pour un jean taille normale si vous avez des rondeurs autour du ventre et pour un jean taille haute ou taille normale si vous avez une taille fine. Exemple, ce jean droit taille normale mettra parfaitement en valeur vos jambes si vous avez une morphologie en H. Poursuivons avec la morphologie en V. Une femme V a les épaules plus larges que les hanches. Elle a les hanches étroites et sa silhouette peut être mince à très pulpeuse. Pour mettre en valeur votre morphologie, il faut plutôt privilégier les vêtements qui vont étoffer le bas de votre silhouette et ne pas accentuer la carrure de la mauvaise manière. Voici des exemples de vêtements qui vous mettront en valeur si vous êtes V. Les robes ou jupes trapèzes. Exemple, cette jolie robe trapèze décolleté V va étoffer vos hanches et donner une impression d'épaules moins larges. Ce n'est pas parce que vous avez les épaules larges qu'il faut les cacher. Vos épaules sont un fort atout de votre silhouette qu'il faut mettre en valeur. Avec les vêtements, il faut certes faire attention à l'équilibre d'une silhouette, mais il ne faut en aucun cas camoufler ses atouts. Vos épaules sont un grand atout de votre silhouette et je peux vous garantir que beaucoup de femmes rêveraient d'avoir une jolie carrure comme la vôtre. C'est bien connu, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a, on trouve toujours l'herbe plus verte ailleurs, mais par expérience, je vous assure que toutes les morphologies présentent de forts atouts et que toutes les morphologies sont belles. On poursuit avec les vêtements qui mettent en valeur les morphologies en V. Donc, on a aussi les tops et les robes fluides à emmanchure américaine qui vont mettre en valeur vos épaules sans pour autant augmenter leur forme. Ce type de manches sont très flatteuses pour les silhouettes avec épaules larges. Néanmoins, si vous ne voulez pas que votre buste semble trop large par rapport au bas de votre corps, optez pour un bas qui donne du volume à vos hanches, comme sur la photo avec cette jupe trapèze en jean à poche latérale. Les jupes droites sont également parfaites pour votre morphologie en V. Elles vont mettre en valeur le bas de votre silhouette avec élégance. Les pantalons chino, comme celui-ci, en taille basse ou taille normale, sont idéaux pour donner un peu de volume à vos hanches avec leur poche latérale et leur forme un peu large. Et on termine avec la morphologie en X. Une femme X a les épaules et les hanches dans le même alignement, elle a une taille marquée et sa silhouette peut être mince à très pulpeuse. Pour mettre en valeur les morphologies en X, il faut plutôt privilégier les vêtements qui marquent la taille et qui mettent en valeur subtilement les hanches. Voici quelques exemples de vêtements qui vont mettre en valeur votre morphologie en X. Les robes portefeuille conviennent très bien aux morphologies en X. Elles sont très mignonnes sur vous et mettent l'accent sur votre taille marquée. Les robes cintrées sont aussi idéales pour dessiner joliment votre silhouette et mettre en valeur votre taille. Exemple, cette robe cintrée, très flatteuse pour les silhouettes en X, que vous soyez ronde ou mince. Si vous avez une poitrine généreuse, privilégiez les décolletés pour dégager votre port de tête, mais dans l'idéal, optez pour des décolletés plongeants mais carrés, car ils vous vont à merveille. On a aussi les ceintures autour de la taille qui sont flatteuses pour votre morphologie. Vous pouvez les mettre par-dessus un top, une robe ou un pantalon taille haute. Ça portera aussi l'accent sur votre taille marquée. Exemple, avec ce gilet qui est bien plus flatteur sur vous, porté avec une ceinture taille haute que sans ceinture. Les pantalons ou jeans taille haute sont très flatteurs également pour vous, car ils vont encore une fois mettre l'accent sur votre taille marquée et vont aussi mettre en valeur vos jambes. Optez plutôt pour des jeans taille haute évasés si vous avez des rondeurs et pour des jeans slim ou évasés taille haute si vous êtes plutôt fine. Exemple, ce jean slim taille haute ceinturé à la taille est idéal pour mettre en valeur vos jambes et votre taille marquée. Voilà pour ces quelques exemples de types de vêtements qui mettent le plus en valeur votre morphologie. À vous maintenant de jouer et de tenter des essayages en accord avec mes conseils pour commencer à vous habituer à vous habiller selon votre morphologie et à vous sentir plus séduisante. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo où je vous donnerai encore plein de conseils pour vous aider à rayonner. Bisous mes douces et n'oubliez jamais que vous êtes belle et désirable. Bye bye.